Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papa Gamer. On reprend avec une voix normale cette fois-ci le Gran Turismo. Alors, on va pas recommencer hein, pour l'instant les courses là, des 25 ans de Gran Turismo. J'ai bien vu vos commentaires, vous avez quand même, pour certains, quand même pas mal de fois réessayé les courses. J'ai réessayé, c'est pas encore probant, donc bon, on va pas s'éterniser dessus pour l'instant sur les vidéos. Il reste encore 27 jours. Donc on va continuer ce qu'on sait faire de bien, les menus. Donc là, je pense que on arrive au dernier. Alors, trois courses comme d'habitude. Ouh, je vois le Nordschleife, le Goodwood, je le connais pas trop non plus. Bon, eh ben allons-y. De toute façon, quand faut y aller, il faut y aller. Si ça se trouve, ça va bien se passer. Donc, on a quoi? Des Ferrari, des Lamborghini, des Porsche. Oh là, oui, des vieilles, des 60 aux années 80. Alors, je crois que j'ai dû avoir une Ferrari F40. On va voir. Ce avec quoi j'ai le droit de piloter. Allez, voilà. Spa et Goodwood. Bon, Goodwood, il est quand même pas trop compliqué. Donc, historique Sports Car Master. 55 000. Alors, beaucoup de restrictions. Donc on a le droit donc 60 à 90, 580 pp ou moins en voiture routière. Ok. Donc je n'ai pas de F40. Je croyais. Donc on a le droit à tout ça. 580. 462. Alors la Porsche là, 508. 300 chevaux. La Mustang 380 chevaux, mais alors un petit peu lourde la cocotte. Le Sambabus, non. 381 chevaux, 518. Ouh, bah ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Je me tâte. 508. J'essaierai bien ça. Voilà, on va essayer. Donc, qu'est-ce qu'on a des pneus? Ah, boutique de course. Voilà. Donc, comme d'hab, les durs. Ok. Et toujours prendre des pneus pluie au cas où. On ne sait jamais. Tac. Donc là, je suis à 100%. Peut-être vite fait aller la gonfler un petit peu. Je sais jamais. C'est là. Donc il faut que je regarde. PPPP. Ah bah ça va être. Ah ben oui, forcément, ça a augmenté à cause des pneus course, évidemment. Donc, nous voilà au max de ce qu'on peut. Espérer que ça passe. Là, la Porsche, en plus, elle est donc en version RR, donc moteur à l'arrière, propulsion. Donc, au niveau pas trop le style de voiture que j'ai l'habitude de conduire. Parce que même les propulsions que je conduis dans le jeu, des fois, bah, c'est souvent quand même des moteurs à l'avant. Donc là, en moteur à l'arrière, ça risque d'être un peu déstabilisant. Voilà, par exemple. Voilà. Donc on part 16e. On est sur un circuit qu'on ne connaît pas trop. Je freine quand même parce que. Voilà, ça part tout de suite en cacahuète.
Ah oui, alors du coup, allez, avance. Au niveau du freinage, j'ai pas pensé à mettre des freins qui freinent. Il va falloir anticiper un peu les freinages et éviter de bloquer les freins. On est combien? Dixième. Oh. Neuvième. Mais avec une voiture un peu éclatée du coup. Bon, ça se passe quand même pas trop mal. Par contre, je regarde la carte, je vois que là-haut, ça s'éloigne un peu. Voilà, ça marche. Bon, après, faut pas oublier l'objectif. Hop là, dis donc, okay, oh. Contre-braquage, voilà. L'objectif sur les menus comme ça, c'est la troisième position. Doucement sur la direction. Contrairement à là, on est cinquième, relativement confiant. Oh, merci, c'était pas voulu, mais c'est vrai que grâce à lui on a évité le carnage. Donc là on en a un qui est en bout de ligne droite, c'est lui qu'il faut viser. Ah là 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 là. Ah là là! Erreur, erreur! Oh bah dis donc, l'autre il est venu me lécher le derrière là. Ah, c'est dingue, dès qu'on freine, elle part complètement. Ah là 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 là. Toujours un peu de pelouse là. Ah, si on reste concentré, on va l'avoir. Pas possible. Allez, allez, allez. Plus que deux tours. Malgré tout, ça passe vite là. Les deux premiers, c'est foutu. Il accélère fort quand même, hein. Deux secondes derrière lui. Oh là 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 là. C'est bon, on est troisième, il faut garder la place. Ok, et là on lui met deux secondes. Voilà. Les rôles s'inversent. Doucement le freinage.
Voilà, la douceur, la douceur. Et on est 10 secondes derrière le deuxième. Ouais, je les vois au bout de piste là. Mais là, j'y crois pas du tout. Il reste un tour. C'est le dernier tour là. Objectif, on maintient. On maintient. Hop! Putain, mais c'est pas possible. Peu de stress. Ah, j'appuie à peine sur le frein. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis en stress, je suis en stress, je suis en stress. Allez, pas le con, pas le con, pas le con. Hop là. Allez, go. C'est bon. Yes. Ouais, c'était chaud. Donc ouais, c'est pas la joie à conduire. Et donc devant, il a quoi lui? Ah, c'est des Countach. Me semblait pourtant que j'en avais une, mais après peut-être qu'elle était plus puissante que les pépés voulus. Ça me surprend quand même. Nürburgring, ah ouais, carrément le Nordschleife quoi. Oh, puis il a l'air de pleuvoir là. Un tour. Juste. Oh non, c'est pas là. Je vais quand même voir. Ça me chiffonne ça. Contre le Nordschleife avec. Oh. Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe avec cette voiture. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Ou alors, elle n'était pas dans l'année qu'il fallait. Ah oui. Là, j'ai de la Ferrari, mais c'est pas de la vieille Ferrari. Si là, il y en a une. Ah non, il n'y a pas de contact. Ouais, j'ai dû la rêver alors. Non, ok, bon, ben, on va faire avec ce qu'on a. Là 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 là. Je vais me prendre de l'intermédiaire. Voilà, paramètres voiture. Où es-tu? Tu es là. Voilà. Sauf que là, du coup, bah, je descends vachement. Ouais, bon, c'est pas violent. Parce que vu le temps, a bien flotté. Et comme il n'y a qu'un tour, comme il n'y a qu'un tour, on va pas aller au stand. Le
Oh là là, ça va être une cata. Et les mecs, ils sont toujours sur la trajectoire. Voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'accélérer. Bon, s'il pleut pas, j'aurai un peu les nerfs quand même. Parce qu'en termes de... de tenue de route, ça vaut pas les pneus course. Mais s'il pleut, alors là, j'aurai le nez creux. Comment ça, les mecs là? Ah, barrez-vous! Oh là 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 là, mais quel vieux sac! Oh là 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 là, mais ça freine que dalle. Ouais, drapeau vert, ouais. C'est honteux! C'est honteux! Alors, je suis désolé hein, pour ceux qui... Et je sais qu'il y en a... qui vraiment joue pilote vraiment comme des as là et évite tous les contacts là c'est vraiment grand n'importe quoi que j'ai fait. J'avoue que j'ai perdu le contrôle. Ouais, et puis c'est... elle est lente à repartir. Hein. La relance en seconde, c'est pas terrible. Oh là 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 là. J'appuie pas fort sur les freins pourtant. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Hop là, lui aussi, il a un petit souci. Bon, le contrat est rempli. Mais... oh, ça... pas possible, est-ce qu'il y a un virage que je vais pouvoir prendre correctement? Donc le contrat est rempli, mais il reste une énorme partie du circuit à faire. Et on voit les ceux qui sont devant. Passage là, pas trop de soucis. Oh là 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 là. Et les Kunta qui trace du coup. Hein. J'étais remonté 7 secondes derrière eux. Et là, on est à quasi 11 secondes. J'ai peur. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. Il n'y a pas de relance, mais... ah, le virage mort là. Alors derrière ils sont où? 8 secondes. Plus ou moins confortable. Bon par contre je vois qu'il peut toujours pas.
Ça, c'est pas mal, ça. Ah, c'est vraiment bien, ça, par contre. Salut, les gars. Oh, 5 secondes. Ouais, ça... Ça perd en vitesse. Et là... Oh là 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 là. Une Porsche, là, faut que ça chante. Secondes, 17 secondes, je mets au deuxième. Oh, au deuxième. Au quatrième. Ah là 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 là. C'est vraiment frustrant. Allez, grosse ligne droite. Et donc attention au bout parce que... Ouais, ils me mettent une pile là. Ah oui, ils s'éloignent. Ils s'éloignent, ils s'éloignent. 3 secondes. Ah là là, ouais. Malheureusement, la Lambo est plus rapide que la Porsche. Mais est plus rapide. La Porsche est plus rapide que ceux qui sont derrière. Donc ça déjà c'est pas mal. Doucement, 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 mais faut tourner quand même. Oh là 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 là, faut freiner, faut freiner. Ah là 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 là. Ah, y a-t-il un pilote dans la bagnole? Hop. Bon bah on va s'habituer à cette place de troisième. Ouais. Wow, c'était quand même très loin d'être parfait, mais quand même, je suis pas mécontent. Ah, du coup, le Spa-Francorchamps va paraître une petite promenade de santé là. Et direction la Belgique. Ouais, c'est ça. Hop. Il a l'air de faire beau. On va se mettre en mode... Comme ça. Trois tours. C'est correct. Oh ! Alors ? Ouais, bah je vais garder mes pneus. Oh là 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 là. Quelle modification, quelle modification ! Yes. Allez, zou. Ce virage. Alors là, le petit raidillon là. Pleine balle, sans que ça chasse. Pff, bah voilà, ça... Oh ! Ah ! L'arnaque ! Enfin, l'arnaque, non, mais... La surprise ! Ouh là 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 ! Ouh là là ! Allez, ça rigole pas, là.
Ça, bah la balade de santé, ça peut être ça en fait. Trois tours en plus. Ça peut vite passer comme sur ce circuit bien pénible. Allez. Oh là 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 là. Il n'y a pas de relance dans cette bagnole. Voilà. Je sais pas c'est quoi le concept quand même de... Dégage. De mettre une propulsion avec un moteur à l'arrière. Ça tient pas le pavé quoi. Mais ça putain, bagnole de merde. Allez. Onzième. On a un petit, ouais, on a un petit peloton quand même là. Le premier est déjà dans le, dans la chicane du bout. Un scandale. Compliqué. J'ai un peu pilé pour être sûr que ça passe. Préférer la jouer comme ça. Là on est sixième. Faut que j'en double trois. Donc là il y en a. Eh ben les trois de devant. Confiance. Yes. 15 secondes derrière le deuxième. C'est des fous les mecs avec leur contact là. Encore une fois. Ça c'est pas mal pris ça je trouve quand même. Allez j'ai repris 6 secondes sur le deuxième. Allez je les vois en bout de piste.
Ah, là, sur ce genre de virage, elle est peut-être pas mal quand même. Est-ce qu'elle a le cul du coup qui. Le cul qui part en arrière du coup? Voilà. On freine, on relance. Bon, il y a encore une fois, pas de pluie. Déçu. Allez, c'est pas possible, j'ai jamais été aussi proche des Kuntak. Pas mal ça. Ça c'est moins bien. 3 secondes. Je les aurais jamais. Parce qu'elles sont pas très bonnes dans les virages. C'est là que je les rattrape. Par contre, après en ligne droite. C'est foutu pour moi. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Si proche. Eh ben on aurait été régulier. 3 partout. On finit pas avec panache le dernier menu, mais on le finit honnêtement. En remportant le contrat. On le finit la tête haute, c'est ça. Ah oui d'accord. Ouais. Donc j'ai un 6 étoiles pour avoir fait plus de 42 bornes et j'aurai donc un 4 étoiles normalement pour ce menu. Bon bah là on va avoir un... Ça va phraser là au café là non? Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va au café, on va chercher le... Non on va aller au café. Voilà, retourne au café. Vous avez à nouveau fini tous les menus. D'accord. Le fameux 4 étoiles. Et non, rien du tout. D'accord. Ok. Donc ça sera ça au prochain coup. Donc on va finir tranquillement avec nos petits tickets. On va commencer par le... Celui en argent. Donc c'est quoi? Allez. Roulement de tambour. Des mille, 5000 balles, 10 000, j'ai... 10 000, je crois qu'il n'y a plus les 5000, je ne sais plus, ça ne me dit rien. Donc ok, à peu près d'arriver aux 4 millions. Allez, le 6 étoiles, j'espère que c'est pas un truc juste de moteur ou de, d'invitation. C'est de la caillasse, oh, de la belle voiture. Et une voiture, ok, qu'est-ce qu'on a? Qui s'essaye, une Merco AMG VGT. Ok, une Vision Gran Turismo. Ça marche. Bon, bah écoutez, c'est quand même pas dégueu. Yes, la voilà. Ouais, c'est pas mal.
Eh ben écoutez, on va se quitter là-dessus, hein, sur cette magnifique Mercedes-Benz AMG VGT. Donc si la vidéo vous a plu, niveau supérieur, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, ça me fera plaisir, un petit like, un petit pouce bleu, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut !